Yo les petits potes, tout le monde, c'est Michou, j'espère que vous allez bien. Moi ça, je viens de me niquer la main. Les gars, j'ai un tic dans mes intros, c'est de taper des mains comme ça. Sauf que j'ai mal aux mains en fait là. Je me suis blessé les mains il y a pas longtemps. Hier, qu'est-ce qui se passe? Je me balade en trotte électrique, j'arrive trop vite dans un virage, il pleuvait. Et moi comme un con, au lieu de freiner, qu'est-ce que je fais? Et bah je prends le virage à fond. Du coup, la trotte elle glisse, je me pète la gueule. Et le pire c'est qu'en vrai, vous voyez, je me suis quand même bien niqué les mains. Mais les mains ça va. En fait, je me suis niqué le pied pour de vrai, depuis hier. Je boite un petit peu, mais en vrai ça va, ça aurait pu être pire. Bref, on n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui. Les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo incroyable, une nouvelle vidéo où on va couper les locks. Ça y est, c'est la fin des locks, Les gars, j'ai respecté mon gage, ça fait environ un mois que j'ai cette serpillière sur la tête. En vrai je les ai gardés un mois, mine de rien là je me suis habitué hein. Mais en vrai j'ai trop hâte de les enlever, mettre ma main dans mes cheveux. Mec, me laver les cheveux, juste ça, comment ça me manque. Donc voilà, bref, c'était une dinguerie les gars, les locks. Mais comme vous le savez, toutes les bonnes choses ont une fin. Bref, je vais pas enlever les locks tout seul les gars. Il y a Artist qui va arriver. Oh le boss, ah bah les gars, perfect timing. Mais gros, ça va ou quoi? Ça va ou quoi? Ça se passe, tranquille. Mais gros, t'es arrivé pile quand je t'ai annoncé. Bah c'est ça, c'est timing hein. Tu connais, on est connectés hein. On est des gros menteurs. Les gars, on est des gros menteurs parce que en fait, il était là avant. Je lui ai dit, attends, je tourne l'intro tout seul, tu me rejoins. Il a dit, ouais, j'arrive à quel moment. Ouais, tu mettras le moment où il dit ça au montage. Ok, bah moi c'est bon, je vais tourner l'intro et tu me rejoins. Et du coup, moi, à quel moment je toque à la porte pour te prévenir que je suis là? Je dis, ouais, bah là, les gars, Artis, il va arriver, tu toques. Et moi, je déboule. Voilà. Ça va encore faire un vlog? Là, c'est en train de vlogger, là, totalement. Regardez, nouvelle caméra, nouveau matos. Artis, les gars, bon, je vous le présente quand même pour ceux qui connaissent pas. Mais en gros, Artis, bah, c'est mon coiffeur habituel, en fait. Depuis un an maintenant. Pour les locks, malheureusement, bah, ça pouvait pas être tout. Non, c'est pas mon domaine, ça. Mais aujourd'hui, on prend les bonnes habitudes. Retour aux sources. Voilà, retour aux sources. T'as l'habitude de me coiffer, tu connais bien mes cheveux et tout. Carrément. Voilà, c'est carré. Et t'as ouvert ta chaîne YouTube? J'ai ma chaîne YouTube maintenant, depuis le premier confinement. C'est carré. Voilà, les gars, Artis Paris sur YouTube. N'hésitez pas à aller vous abonner, allez lui envoyer de la force. Lourd mon ref. En fait là aujourd'hui on va enlever les locks. Mais j'ai envie qu'on essaye de... Je sais pas ce qu'on pourrait faire. Je sais pas si t'as des petites idées de trucs qu'on pourrait faire avant pour terminer. Sur les locks ou après les locks? En vrai les deux. Et moi frérot, j'ai réfléchi toute la nuit à un délire. J'ai envie de te bander les yeux. Ah ouais? J'ai envie de te bander les yeux et tu te découvres à la fin. Un truc avec les locks? Avec les locks. Là on les enlève pas là. Non, moi j'ai envie de me faire un kiff sur tes locks. Vas-y. T'as gardé ou pas? Je suis chaud, je me bande les yeux. Ouais, tu te bandes les yeux. Je sais pas si t'as un truc là, n'importe quoi pour te... juste pour te cacher, pour pas que tu vois et... Ok, par contre, je préviens, il y a une locks particulièrement, cette locks. C'est Béa. Cette locks, c'est Béa. Béatrice, celle-là, je veux que tu touches pas. Celle-là, on la laisse naturelle. Ouais, celle-là, on y touche pas. Le reste, je peux me faire plaisir. Tout le reste, c'est à toi. Vas-y, bah ça part. Ok, et ben... c'est là. Artis, c'est quand tu veux. Du coup, je me bande les yeux là. Ouais, ça se bande les yeux. Donc là, tu vas faire une dinguerie. Ouais, les gars, en fait, cette vidéo, c'est la vidéo des dingueries capillaires. Je me bande les yeux avec un masque quand même. C'est long le truc que tu vas faire? Non, pas spécialement, parce que j'ai pas besoin de décoller. Tu vois, je vais juste venir t'appliquer quelque chose sur tes locks. Sachez que je ne vois plus rien, la caméra elle est là. Je sais pas si ça vous parle les gens là. Regardez, on va s'amuser aujourd'hui là. Tu sais, moi j'aurais envie de faire quoi après? Dis-moi. J'aurais envie de les couper. Ah, pour tester les locks courtes? Ouais, tester des locks courtes. 2, 4, 6, 8, 10, 12. T'as 12 produits devant toi. Eh, au fait, les gars, mais attends, ça serait pas le moment de mettre un maximum de pouces bleus? Oh, gros pouces bleus! Exactement. Vous abonner à ma chaîne avec la cloche? Exactement. C'est ce moment, les gars. C'est le moment, c'est maintenant ou jamais. Alors, est-ce que t'es prêt, Mich? Franchement, pas trop. Pas trop. J'ai l'impression qu'il faut y aller. T'as des produits devant toi. Ok. Et ben, je te laisse prendre le pot que tu veux et tu me le donnes. J'ai peur. Ok, déjà, moi je suis gaucher, donc je pense que côté gauche c'est mieux. Ça. Le premier alors? Oh putain, le premier c'est une mauvaise idée. Hein. Regardez ce qu'il a pris. Pourquoi tu parles plus? Pourquoi tu parles plus? Parce que j'ai besoin d'un maximum de concentration, frérot. Allô, Béatrice, rappelle-moi. Béatrice, c'est celle-là. Celle-là, ok, ça marche. Je pense savoir c'est quoi. En tout cas, je me fais un kiff. Regardez ça, les gars. Là, c'est bon. Ouais, là, c'est bon. Mais il va falloir que tu fasses ça à toutes les locks. Ouais. T'es au courant que j'en ai une soixantaine? T'en as une soixantaine? Ouais. C'est bon, j'en ai déjà fait une. On les avait comptés avec Inox, les gars. Sachez que j'ai 70 locks exactement. Mais j'en ai perdu quelques-unes depuis. Okay. Vas-y, reprends un pot, n'importe. Oh là là, je vais devoir prendre 60 pots, frère. Non, mais t'inquiète, je vais faire des mix un peu. Celui-là. Celui-là? Ouais. Très bon choix. Allez, c'est sinon, c'est quoi? Je vais en prendre deux par deux. Ah. Ouais, comme ça, ça va plus vite. T'auras tout fait à tes cheveux, toi. Ils auront tout vécu, gros. Ok, okay, c'est bon. On continue. Prends un autre pot. Je pense, là, choisis-toi en fonction de... Ah ouais, comment ça va rendre? Ouais. Ouais, vas-y, ça marche. Sur quoi je vais partir? Bon, vas-y, laisse-toi gérer maintenant. C'est moi qui choisis. Vas-y, vas-y, vas-y. Parce que si je dois choisir 60 fois un pot, gros, ça va être long. Couleur banane, ça te parle ou pas? Ah, donc c'est des couleurs.
Tu t'es niqué là. Là tu t'es niqué là. Tu crois que je suis en train de te faire quoi depuis tout à l'heure? En plus j'y pensais, je me disais c'est sûr. Attends, mais t'es en train de faire multicolore. 6ix9ine, ça te parle ou pas? Attends mais gros, ça va être trop d'art. C'est qu'hier Timout il a fait des locks. Les gars, mais attendez, mais même vous les gars, faut que je vous le dise. Timout, les gars, c'est mon neveu. Il est roux, il a fait des locks rousses. Sauf que, tu vois, moi le coiffeur des locks, il arrêtait pas de me dire, eh bah franchement, tu t'en sors bien, tu douilles pas trop et tout. Mais moi je me rendais pas compte. Et Timout, hier il a fait les locks, gros. Ouais. Et bah il a abandonné. Ah, il a abandonné. Ah, tellement ça lui faisait mal à ce point. Gros, en fait, il a fait que la première moitié de son crâne. C'est-à-dire qu'en fait, derrière, je sais pas pourquoi, en fait, il est grave sensible du crâne. Et du coup, dès qu'elle touchait ses cheveux à l'arrière, qu'elle voulait faire les locks dessus, impossible, il avait trop mal. Du coup il a fait que les locks devant. Du coup il a un bonnet et ses locks elles tombent devant. Sauf que quand il enlève le bonnet, derrière il y a ses cheveux et devant il y a des locks. Donc ça fait trop bizarre. Bon les gars, tac, on va partir sur ça là maintenant. Oh là là, on va partir sur ça. Ça se voit que t'es en train de kiffer. Ah là, je kiffe ma vie là. Ça s'entend ta voix là. Artiste, à combien de pouces bleus tu fais des locks? Pas toute la tête, mais genre 2-3 locks si tu veux. Tu fais une vidéo où tu fais 2-3 locks, ouais. Vas-y. Combien de pouces bleus? Je connais pas les pouces bleus, frère. Tu connais? Je suis tout nouveau sur YouTube, moi. 500 000 non, 500 000 c'est beaucoup ou pas? Ouais, mais bon, j'ai pas trop envie de les faire, les locks. Donc, tu vois, 500 000 comme en ça. En fait, c'est ça. Si t'as vraiment pas envie. Je mets la barre haute comme ça, 500 000, c'est énorme. C'est-à-dire que s'ils tapent les 500 000, c'est qu'ils ont vraiment envie que toi tu le fasses. Bah, les gars, vous savez ce qu'il reste à faire, mais j'avoue, c'est chaud. Ça, c'est bon. Béa, je suis. Bah, tu sais que Béa, j'ai des sentiments pour elle. Hein. C'est fort ce qu'il y a entre nous. Je pense qu'on va se marier. C'est en jaillant en 2 secondes, wesh. Wesh, mon poteau, là, je suis pété. Je suis en buvette. Pas sous pétou, putain. J'ai des poteaux qui sont béton. Oh là, t'as la gestion, toi, tu sais le faire, le bail? Moi, je suis complètement. Ah, ouais, tu peux pas. Bah, c'est ça le bail avec les pieds là. Viens, on fait un pierre feuille ciseau. Shifumi. Je te découpe. T'es un menteur, t'as triché. Regarde, t'as ouais, mais t'as triché, il a changé. Putain, mais du coup, le seul moyen que je sache si t'as triché, c'est de voir la vidéo. Voilà, bah tu verras dans la vidéo. Putain, vas-y. Et tu sais que là, je sens, les locks, elles sont plus lourdes. Mais c'est parce qu'elles sont mouillées, non? Il y a de la couleur dessus, quoi. Ah putain, j'en ai sur les doigts. C'est bon? Bah oui, c'est bon. Je peux enlever? Quand tu veux, frérot. Oh, déjà, je vois du bleu, là. Mais je suis mort. Je m'attendais pas à ça. Tu t'attendais pas à ça déjà? Je m'attendais à vraiment un délire 6ix9ine, des couleurs bien flashy. Et en fait non, parce que tu sais, il y a même des couleurs un peu plus foncées. J'ai mis un peu de tout en fait. Mais t'as mis complètement de tout. Ouais, j'ai mis du rose. Là, il y a du rose. J'ai mis du rose, il y a du bleu, il y a du violet, il y a du rouge. C'est moi la couleur de mes habits. Je me sens jamais mieux que dans mes Yeezy. Je suis tout terrain. Eux ils titubent. J'ai trop hâte de voir le rush où je vais bouger mes locks colorés là. Viens voir s'il a fait ce fou. Oh mec, c'est affreux. C'est trop moche. Fais une boule à Z après. Mais là, pour les refaire naître. Fais une boule à Z pour les refaire naître. Bah oui. Mais t'es un fou. Mais toi t'es un fou. Non mais regarde, il prend sabot 4 mm. Comme ça c'est pas boule à zéro. Et en fait, il rase tout. On va les détacher. Comme ça on va voir mes cheveux. Là on a fait vraiment un délire. Ok. Quand c'est rasé, il a dit. Bon bah en vrai on a fait ça pour le délire. Pour voir. Je pense qu'il est temps de faire encore une nouvelle coupe. Nouvelle étape. Là c'est je te jure, c'est la vidéo en plusieurs étapes. Encore une nouvelle étape. Je pense, artiste, on va se faire plaisir et on va couper les locks courts. Mais je pense que ça va rendre vraiment bizarre. Pareil, encore une fois, artiste, on ne touche pas à Béa. Attends, est-ce que tu peux me laisser en couper une? Vas-y, alors tiens, vas-y, je te passe le ciseau. Cette longueur, même plus que la moitié. Plus que la moitié? Ah, c'est bon. Wesh. Je me suis coupé la lox. Bon, je peux y aller. Vas-y, tu peux y aller, artiste. Les amis, est-ce que vous avez passé un joyeux Noël? Est-ce que vous avez eu les cadeaux que vous vouliez? Est-ce que tout s'est bien passé pour vous? J'espère que oui. Bah d'ailleurs, artiste, je voulais pas te laisser partir les mains vides. J'ai un petit cadeau pour toi, artiste. Ah bon? Je vais avoir un petit cadeau. C'est ton cadeau. Ça te fait plaisir? Tellement plaisir. Putain, c'est vrai. C'est vrai, j'ai pas pris de cadeau. Elle sera tous les jours avec moi. C'est vrai. Je vais la mettre dans ma mallette. Tous les jours avec moi. Mais d'ailleurs, tu vois, Béa, j'ai pas envie qu'on y touche depuis tout à l'heure. Ouais. Il est temps de l'annoncer. J'ai pris la décision. C'est un peu pour le délire. Je vais la mettre aux enchères, les gars. Oh. Là, au moment où vous voyez cette vidéo, il y a un lien. Il y a un lien dans la description. Incroyable. Qui renvoie vers les enchères de Béa. Sachez, je fais ça un peu pour le délire. Pour voir combien elle va se vendre. Mais évidemment, l'argent, les gars, je vais pas faire du bénéfice sur une lox. C'est bizarre. L'argent, je reverse tout à une association. Bravo. Donc voilà. Donc voilà, les gars. Il y a officiellement, Béatrice est officiellement
vend aux enchères. Et voilà, il a des locks courts. Ça y est. Faut que je vois comment ça. Ça rend bien ou pas? C'est vrai? Ah, c'est délire. Attends, faut que je vois comment ça rend. Ah ouais. Eh, en vrai, c'est un style, hein. C'est bon, je vais FaceTime Valouze. On appelle Valouze. Wesh, beau gosse. Wesh, beau. Pourquoi tu montes pas ta gueule? Mec, j'ai une dinguerie à te montrer. Oh non, c'est parti. Regarde ma tête. Locks courtes et multicolores. Attends, mais je sais pas quoi te dire, frère. Ah, t'es avec Ertis, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est Ertis qui les a colorés. Tu les retires aujourd'hui? Ouais, là, ça y est, on va. Avoue qu'il aurait dû les garder. C'était juste pour test, en fait, pour voir. Ah, tu peux les garder une petite semaine, là, hein. Tu vas lancer tes streams comme ça, tu prépares une vidéo ou pas? Bah, là, je suis en vidéo, là. Bah, j'avoue, je t'ai même pas dit, mais en fait, on est en vidéo, là. Ah, salut tout le monde. Mec, 2020, c'était catastrophique. Bah, vas-y, là, c'est en thème. Oh, comme il est en train de se brancher. Oh, le bâtard. Bah vas-y les gars. Vas-y mon ref. Quand le boss va. Elle maigrit ta caméra. On dirait que je suis. Il skiffe trop, wesh. Ertis, tu me fous. Je crois que c'est le grand moment. C'est le moment de les enlever. En vrai, je pense que tu vas même pas avoir besoin de les démêler, hein. Juste les tirer, tu penses? Bah en fait, les tirer, en gros, comment t'expliquer? Comme elles. Est-ce qu'il t'a expliqué un peu comment les retirer? Il m'a pas expliqué du tout. Moi je suis sûr que si on tire, ça part, hein. Fais voir, je teste. Ah ouais, t'as raison. Vas-y, ah, à part. Aïe! Oh, 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 j'ai mal! Je pense que ça va dépendre des locks, si on a. Je pense que celle-là, elle était bien tachée. Je pense que ça va. Oh, je vais pleurer. Ah ouais, par contre, il y en a, et il y en a, elles partent tout seules, hein. Oh! Ça y est, on est en train de les enlever, gros. Mais mec, je suis mort. Mais par contre, c'est. Oh. Mais tu sais que c'est trop satisfaisant. Ça part en 2-2. Ouah! Ouah, c'est bon, en fait, on va même pas galérer. Mais par contre, c'est le produit, hein. Pour de vrai, c'est pas normal que ça part. Bah oui, parce qu'en vrai. Rien! Bah ouais, attends, mais ça part tout seul. C'est un délire, ça. Mais attends, mais c'est incroyable. Oh, mes cheveux. Mais y'en a, tu sais qu'il y en a certaines, je suis choqué quand elles viennent toutes seules, hein. Bon, artiste, faut enlever Béa, hein. C'est l'heure. Je pense que là, c'est pas moi qui te le fais, je te laisse l'honneur de le faire. Je pense que Béa, elle va être un petit peu difficile. Je pense que Béa... Elle est capricieuse, ouais, Béa, elle est un petit peu capricieuse. Ah. Tiens la racine de bah attends, mais elle veut pas partir. Attends, c'est incroyable. Ça va bader un peu, frère. Attends, mais je suis choqué. Comme par hasard, c'est Béa, quoi. Mais en fait, j'ai peur de l'arracher parce que j'ai entendu un bruit vraiment bizarre. J'ai entendu un cri. Sinon, tu m'as. Sinon, la coupe. Cut là, ouais. On y va au ciseau pour Béa, gros. Ok, ah, c'est bon, ça sort. Oh Béa, tu m'as fait pleurer, Béa. Waouh. Il y a mes cheveux à moi, mes vrais cheveux. Donc là, je vais faire un shampoing, là. Ouais. Oh, comment ça va me faire du bien. Ça fait un mois. Un mois. Oh, attends, mais ils sont tout durs. Ah ouais, les gars, mais qu'est-ce qu'on ferait pas pour des locks, putain. Oh, quel plaisir de gratter mes cheveux. Regarde ça. Un petit coup de peigne. Oh, putain, mais ça va, regarde, ça se fait bien, en fait. Ah, petit coup au milieu. Oh, ils sont tout fins. Oh. Mec, c'est trop bien. En vrai, j'ai laissé pousser la barbe. Faudra que t'essayes de la tailler. Il y a un petit délire. Voir ce que ça fait. Vas-y. On va la tailler pour voir. Mais je pense qu'en vrai, on va la couper. Mais je veux bien que t'essayes de tailler pour qu'on voit. Vas-y, on va tester. Ok. Bah attends, mais on va faire dégradé laser, en fait, là. Dégradé laser direct, là. Bah ouais. Regardez tout ça. C'est fini, les locks. Donc, dégradé laser. Ertis, ça m'a manqué, les dégradés laser et tout comme ça. Allez. C'est fini? Ah, regarde, juste t'es content, on est plus vrai là! Aïe aïe aïe! Ça me fume parce que ça, c'est le truc. Ah ouais, non! Aïe aïe aïe, me barre! Ça, sur moi, c'est pas normal. Je fais quoi la barbe? Je retire? Bah, je pense, bah oui. On va attendre encore un petit peu pour la barbe, les gars, ça sera pour plus tard. C'est carré, frère. Les frérots. La vidéo touche à sa fin. Ça y est, l'aventure des locks est terminée. La trilogie des locks, c'est fini, les gars. C'est fini, les locks. Celui qui gagnera Béatrice, bah, t'inquiète pas. Elle sera comme ça, mais elle sera parfaite. Et bah, les gars, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus. Go envoyer de la force à Ertis, sa chaîne YouTube, dans la description. Et puis voilà, nous, on vous fait plein de gros bisous. Bisous. Ciao, les gars. À bientôt. Ciao, à très vite.